Ah, j'ai envie de tester la fête foraine. Ah, le magicien! Tout, 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 tout. Putain, mais le mec, il... C'est Doctor Strange, en fait. Wow! Apparemment, il y a quelqu'un qui a pas compris le principe. Ah non, mais ils se font un selfie. Il se fout de sa gueule. Et même pas, il a activé l'appareil photo. Ouais. Recule un peu la photo pour que la photo soit bonne. Tu es le pire photographe que j'ai jamais vu. Ah, j'avoue, parce qu'il a même pas activé son appareil photo. Bonjour. Ah, il y a des mini-jeux. Eh, on dirait que vous n'avez pas de points. Vous ne pourrez pas jouer. Jouer à un jeu. Échanger des points, comment on fait? Ah non, mais on s'en fout. 500 points? Ok. Vas-y, je vais gagner ma peluche. Ma peluche à 500 balles. 3, 2, 1. Il m'a même pas expliqué comment on fait. Go! Hop! Merde, comment? Comment? Comment je fais? Sous les balles. Ah, ok. J'espère qu'il n'y a pas de timer. Attention. Oh, hop. Ah putain. Ça sent l'arnaque. En effet, ça sent l'arnaque. Hop. J'ai lancé moins fort là. 25. Vous vous améliorez. Ouais, bah c'est normal, je parle de zéro quand même. Donc... Oh, putain, c'est de la merde. Ah, attendez, on va essayer de l'avoir à gauche là. Comme ça, moi j'ai eu 25. Mais vas-y là, hé! Et ça se déporte tout le temps à droite. La tira, la boula. Oh oui, 50. Pas mal! J'ai fait 75 ans. Et hop! J'ai mes points ou pas? Je sais même pas. Eh! Vous avez un total de 75 points. Ok, ça se. Si je vais changer, vous n'avez pas assez de points. C'est 500 minimum. Ah, ok, attends, on va faire les autres jeux. Ah, par contre, il n'y a plus de son là. On n'a plus de son, ça y est. J'ai niqué le jeu. Vas-y, ouais, je vais jouer. Alors. 3, 2, 1, let's go. Les lancers derrière l'eau. Attendez, mais il n'y a même plus de son. Je vais mettre du son là. C'est quoi ces conneries? Ah non, j'ai peut-être. Ah, c'est un 6, je vais pouvoir, mais. Ça va, on est dans l'ambiance là? Touloulout! 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 Techno! Attendez. Hop! Merde. Ah, ça c'est le pire jeu ça. Même le jeu des balles, c'est moins du foutage de gueule. Oh! 100 points! Ah ouais! Bien. Hé, hey, j'ai eu 100 points, hein! Respectez-moi! Ouais, hein. Oh, 200 points! J'ai eu quoi? Motherfucker! Go! Yo! On danse! On sait bien là! Alors, ici dans la journée, il y avait beaucoup plus de gens. Mais attends, du coup, j'ai pas compris. Mon cadeau, c'était 15 balles. Mais je me suis fait niquer. Oui, je veux une glace. Elles sont délicieuses. Les crèmes glacées. Mais dans une boîte de nuit avec ce son, ouais, j'avoue. On va voir la deuxième. Party mix.
C'est écrit Fête foraine techno. Ah! On est en Allemagne, les gens. On est en Allemagne. Je vais monter sur les montagnes russes, putain de développeur. C'est un des développeurs qui a laissé cette phrase-là. Mais moi, je veux une peluche. Comment on a une peluche? Eh, vous êtes un total de 75 points. Vas-y. Je sais pas, on va essayer d'avoir 1000 points, comme ça, peut-être qu'on aura une peluche. J'en sais rien. Je suis déçu d'avoir vu du fric là tout à l'heure. Ah, ça, par contre, je suis fort, ça, attention. Paf! Paf! Moi, je suis un chasseur dans l'âme, hein. Ah putain, mais le lapin, j'arrive pas à l'avoir. Ouais, moi, c'était Safariant. Safariant sur SMS. Ah, la petite blague du quatrième mur brisé. On a quoi d'autre là? Je crois qu'on a que 3 stands. Ce popcorn. Pip. Et vous avez pas joué à Safariant? Ah, vous me dégoûtez. Vous avez pas la Master System? Oh, attendez. On peut jouer à ça? Ah, moi je fais un UFO. Merde. Ah, attendez. J'ai plus de batterie. Attention, monsieur Rodin. Vous commencez à être détestable là. J'ai trouvé un bouquin sur. Vous savez, vous ne pouvez pas aller à la Noria que dans la journée. Ah, mais dégueulasse ce jeu. Meilleure musique. Hein. This is da! This is Uber Isle. Et ça, fureur? Comment ça, fureur? Mettez l'alarme! Allez, j'ai fait allemand, attention. Ah merde. Ouais. J'enlève ma glace. Ah, ça redonne de l'énergie, ça. Putain, la glace, ça redonne de l'énergie. Premier item qui redonne de l'énergie. J'ai tout mis à côté. On t'envoie à la Moria. J'ai tout mis à côté, c'est une dinguerie. Je me demande si j'ai bien le son du jeu là aussi. Hein. Une pression. Bah ouais, on a le son du jeu, il n'y a pas de son dans le jeu. Attends, j'ai peut-être un bug. Hein. Ah, ils ont mis aucun son ici. C'est dingue ça. Mettez l'alarme! J'ai visé là parce que je vois rien avec le fond. Attends. Ah non, mais je suis con, j'ai pas me... j'ai cru que je tirais. Mais j'ai eu de la chance, ça a l'air, c'est pas possible. Mais c'est impossible. Ils ont accéléré le bordel ou quoi? Il est trafiqué votre fusil là. Let's go! Ah, ça c'est le pire jeu, mais avec de la chance, on va y aller.
C'est grand. Cette techno, elle est incroyable. C'est vrai que vous appréciez. Ta 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 ta. 350. Let's go. On peut y arriver là. Je vais au moins essayer d'avoir 1000 parce que je donne une peluche. Wow! Pas la physique quoi. On va alterner les jeux. Elle a pas l'air d'accord pour la pluche, la physique. Non, en essai. Attends, je vais la coincer. Là, hop. What? C'est arnaque quoi. Rends-moi mes sous le jeu. Non mais dinguerie quoi. C'est pire que dans la vraie vie. Hein. Ah, c'est bon. 50-50. C'est vrai que c'est pire que dans la vraie vie. Tu sais là où t'as les... L'endroit où t'es censé toucher, tu sais, c'est plus petit que la boule. Tu peux pas la mettre dedans, tu sais. Ce genre de dinguerie là. Ah, attendez, ça change? Non. Attention! Ah, les klaxons, ça nous manquait. Les klaxons de camion, là, allez hop. Mais! Ah, c'est bon. Alarma! Ah, c'est bon, on l'a eu, Alarma déjà. Ah, putain, les gens, regardez, je suis à 100... 125 là, pas mal. On va essayer d'avoir le son, attendez. Ouais, Nick. Oh! Incroyable. Eh, hey, essayez de me battre. C'est le GG. 825. Je pense qu'on va aller jusqu'à 1000. Parce que je sais pas trop c'est quoi la pluche. Je vais essayer de voir si je peux pas prendre une pluche en scred. Essayer de voler une pluche. Ok, il m'a pas proposé hein, quand j'ai voulu échanger contre 500, il m'a donné 15 balles, rentre chez toi quoi. Ah, là on est en Italie là. Ouais, non, bon, de biais c'est de la merde. Ça marche pas. De biais ça marche pas. Pas trop un beau gosse. 1000 balles. Allez. Attends, pas maintenant. Je vais vérifier si je peux pas voler un dauphin là. Moi je mets un dauphin. Moi. Hop. Ah, attends, elle m'a donné 15 balles. Si je lui demande à lui. Mais attendez, hey, on va maximiser nos chances, on va se mettre en face des peluches là. Eh, hey, vous avez un total de 1000 balles. Échangez les points. C'est tout. Mais en fait, c'est des gros arnaqueurs. Jamais j'aurai ma peluche. Alors, je me casse d'ici. Je me suis fait voler. Comment ça j'ai pas assez de points? Mais j'ai 500 balles. Mais faut avoir 501 points pour que ça marche.
Ah, maintenant, il se fout de ma gueule, maintenant. Mais il me dit, t'as pas 100 points. Mais si, je les ai, 100 points. La Starnac. Bon, on a gagné un... On a gagné un bouquin. Double arnaquette. la double. Ouais, t'as de se calmer, là. Hop. Ah, il n'y a plus de son hein, dans le jeu. Je comprends pas. Je crois que le jeu, il a planté du moment où je suis rentré dans la fête foraine. Ça sauvegarde tout seul? Non, ça sauvegarde pas tout seul. Ah, le son est revenu. Le son est revenu. Mais il a l'air bien ce petit parc. Don Pedro II de Braganza, empereur constitutionnel du Brésil entre 1840 et 1889. Premier volontaire de la patrie de la guerre de Paraguay. Pedro II. Ok, c'est quand même chose, hein? Que Dieu m'accorde ses derniers souhaits, paix et prospérité pour le Brésil. Ok. Ça, je t'ai déjà vu, toi. Pour la journée, il y a beaucoup de gens. Mais la nuit, le parc est très calme et paisible. Par contre, ça va, ils ont pas peur de la pluie. Regarde toutes ces bouteilles. Des ivrognes sont passés plus tôt et ont laissé le parc dans un état lamentable. Ah, je peux aider à nettoyer, si tu veux. Mais vraiment? Je serais très reconnaissant. On fait toutes les quêtes secondaires des jeux rincés. Hop là. Il y a une poubelle. Ouais. Attendez, le vert, c'est quoi? C'est quoi le vert? C'est quelle couleur? Merde. C'est jaune le vert, non? Non, c'est vert. C'est vert le vert. Ah, la poubelle verte. Je suis pas sûr. J'ai jamais eu de poubelle rouge. Bon, en tout cas, c'était bien hein, la fête foraine. Hein. Bon, jusqu'à qu'on m'arnaque, mais sinon, c'était bien. Des bouteilles. Petites, petites. Elles sont où les bouteilles? Bon, ça va, ils sont respectueux, ils les ont laissées sur les bancs. Les bouteilles d'alcool. Ah, il y en a une par terre là-bas. Est-ce qu'il y a des experts du recyclage ici? Est-ce que je suis en train de faire de la merde là? Vert, c'est le vert, jaune, le plastique, et carton rouge. Et carton? Et le rouge, c'est pour les cadavres. Ah, ok. Alors, les cadavres de petits-enfants ou les cadavres d'adultes? C'est qui? La précision. Ah, j'ai un deuxième bouquin, là, attendez. Intéressant. Ah, argent facile. Hop. Tous les cadavres. Ah, pas de différence. Est-ce que c'est bon, là? Merci pour votre aide. Revenez, ce que vous aurez ramassé toutes les bouteilles, comme ça. Les bouteilles, non? Le mec, il a un super pouvoir, il a vu qu'il y avait encore des bouteilles. Ils sont où? Genre dans le lac? Non? Dans l'étang? Ah, là. Vu? Ça choque moins les gens, le compost de déchets organiques. Mais attends, mais elles sont où tes bouteilles? Moi, je sais pas, moi. Pourquoi quelqu'un voudrait rester ici? Eh ben je sais pas, là il me dit qu'il y a encore des bières là. Mon petit-fils veut partir de Terminal 81 après avoir étudié. Mais j'aimerais bien qu'il reste ici, c'est pas si mal. Il y a de bonnes raisons de partir, je pense. Peut-être qu'il en a, mais il serait loin de sa famille. Le bien-être personnel est plus important. Le bien-être personnel est important, mais ce n'est pas tout. Les familles s'entraident, la famille est plus importante. Bon, je vais obtenir mon diplôme en tant que journaliste et je vais vivre au Portugal. Voilà. Ah, je l'ai pas vu la bière, putain. Bon, je pense que c'est la dernière. C'est bien discrète, sa main. C'est bon? Ah, 25 balles, allez hop. Great environmentalist. Et ouais, c'est moi. Ouah, par contre, ce bâtiment, c'est un peu infernal, ce bâtiment. Putain, t'es au Brésil, quoi. Tu traverses la rue, traverses le boulevard en pleine ville, c'est le ghetto, quoi. Ah, on peut pas aller plus loin. Ok, ça marche. On va essayer de rester sur le trottoir. Mais du coup, l'église, on l'a jamais vue, non? C'est ici l'église?
oui, bah, je comprends pourquoi. Ah, pour les fils, attendez. J'ai ce qu'il faut. Ça part en urbex, grave. L'urbex, là. Il est où le ballon? Ça va, monsieur? Que faites-vous ici, jeune fille? Qu'est-ce que tu fais, toi? Je viens toujours ici, j'ai l'habitude de visiter cette église avec ma femme, il y a de nombreuses années. Qu'est-ce qui est-il arrivé? Elle est morte il y a 2 ans dans un accident de la circulation, près d'ici. Je ne sais pas à quel point c'est dévastateur pour moi. Je suis désolé pour votre perte. Ah, c'est vrai, un jour je n'en pouvais plus. Alors je me suis suicidé en me jetant par ce trou dans le plafond. Ça fait mal, mais j'ai mis fin à mes souffrances. Ah! On a vu un fantôme. Pas mal. Putain, l'urbex des enfers, quoi. Et bien que notre corps passe, notre esprit prend plus de force. Les difficultés que nous avons sont petites et elles ne dureront pas toujours. Je monte sur le toit parce que je vais chercher son ballon, là. Il est où son ballon? Ah, c'est dangereux, cette histoire, non? Ah, il y a un bouquin. Putain, mais je suis même pas allé au travail, là, je suis déjà à la sauce. J'espère qu'il a pas décidé de faire de l'urbex l'autre cette nuit, là. S'est foutu de ma gueule avec son ballon, là. Il dit pas là son ballon. Il m'a dit que c'était sur le toit de l'église. Je vais juste traverser l'église et je vais crever, quoi. Mais le gamin avec son ballon, il se débrouille, hein. C'est de sa faute. Hein. S'il fait de la merde, c'est pas ma faute. Par contre, je pense que je vais me bourrer de glace là, parce que c'est le seul truc que j'ai trouvé qui me rendait de l'énergie. On va se bourrer de glace et comme ça sera réglé. Bon, attendez, je dis ça, mais peut-être que. Ah, mais il y a des endroits où on peut fouiller, quoi. Les gens, regardez. Je vais faire le tour au cas où. Ah oui, mais il faut passer dans le quartier. Il fait flipper là. Ah si, son ballon il est là, là, le pont. On va poser le bouquin, hein, tant pis. Les quêtes secondaires des bouquins. Par contre, attends, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse dans le quartier des enfers, non? Ah oui, ça va pas le faire là. Attendez, je vais essayer de gruger. Non! Bah let's go la course! Ouh, c'est bon. On est vivant. Attendez, je vais essayer de prendre de la bouffe pour voir. On peut allumer la télé? Je me suis fait Eric Rock. Bon, est-ce que vous avez un truc pour. J'ai besoin de bouffer là. Ah, je pense qu'un bon ramen ça devrait donner de l'énergie. Rick Rolled. Un petit ramen. Allez, j'ai les mains pleines. We never give up. I will to be here. Na 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 na. Ouais, je veux bien ça. L'appel. Pour creuser les petits trous. Ah, est-ce qu'on se tente de retourner dans l'église? Ça va finalement. Ça n'a rien passé. On a juste rencontré un fantôme, mais sinon ça. On va creuser dans le parc aussi.
pas lire? Comment on le lit? Ah, je pense que les triades sont au Brésil depuis de nombreuses années. Cependant, elles ont récemment commencé leur acte criminel ici au Terminal 81. Elles ont engagé des multiples, enfin, sont engagées dans de multiples activités, notamment le trafic de drogue, la prostitution et la traite des êtres humains. C'est les triades chinoises! Je le savais. C'est ça qu'ils m'ont dit, méfiez-vous là, des Chinois là. Dis de bonne aventure, mais dis ça. Attends, y a pas une flèche là? Comment ça marche? Je vous attendrai à côté de la Banque du Brésil samedi à midi. Apportez-moi votre arme. Assurez-vous que personne ne vous suit et s'il vous plaît, ne vous dégonflez pas. Il est temps de faire quelque chose. Charles of the Joy, c'est leur chef. C'est un homme de Hong Kong qui ne se montre guère en public. Bien qu'il y ait des gens qui prétendent l'avoir vu dans la boîte de nuit, une entreprise qui lui appartient. Ah merde. Je pense que les triades sont... Ah putain, la boîte de nuit, elle lui appartient. Et ça pue, hein, cette histoire. Avec le mec là qui sniffe les culottes là. Attendez, j'ai perdu ma pelle. Enfin, comment elle tient la pince là? Attention, j'ai une pince. Ah putain, son bras, regardez. Tout va bien. Ah. Eh frère, je parlais de l'autre côté de la ville avec les parents de cette fille, l'ancienne employée de supermarché. En effet, c'est comme tu l'as dit, elle a également été kidnappée. Donc c'est une autre sur la liste. Jusqu'à présent, nous avons déjà compté 9 filles comme manquantes, non? Il y a aussi un Argentin qui demande à une Argentine appelée Mathilde. Mais nous ne savons pas si elle a été kidnappée. Rangez tout ça, mais ne postez rien. Pour le moment, nous attendrons d'être plus éloignés de ce dépotoir pour écrire un bon rapport. Au fait, je posais des questions sur l'homme que vous avez décrit. Une femme d'affaires asiatique anglophone. Mais je n'ai pas eu de chance. Vous êtes sûr que c'est la bonne description? Ça me fait penser à cette vidéo du nécromancier. Nécromancer, quoi. Faisant un unbunting. Et qui plante sa pelle dans une tombe, ouais, normal. La base. Attendez. J'ai un ballon. Il faut que je donne à un gamin. À la con. Là. On le retrouve là. Oh là, lui, il a l'air bien lui. Ah ouais, il y avait un trou là, c'est ça? Donne ton argent de poche, le gamin, j'avoue. C'est vous qui avez un petit trou, là? Je suis le poinceau de Rudy, là. Et je fais des petits trous, encore des petits trous. Ah! Je prends. Des petits trous, toujours des petits trous. Putain, 50 balles. Attention, là, la camionnette, je l'approche même pas à 1 mètre, hein. Tiens. Ah mais c'est mon ballon. Merci. Prends ces petites récompenses. Et voilà. Pas de supporter. On va faire le 100%, c'est parti. Ah, y'a quoi en face là? C'est un hôpital? Bonjour. Eh, je t'ai jamais vu par ici. Mais d'où tu viens? Ah, je viens du sud. Du sud? Eh bien, je viens du nord-est. Je suis venu ici pour le travail, mais la criminalité est vraiment un problème. Je pense partir. Comment la criminalité? Terrible. Surtout avec les enlèvements maintenant. C'est pire. J'ai peur que ma fille sorte. Elle rentre tout à la maison. Et hop! Merde. C'est l'hôpital, c'est ça? J'ai l'impression que c'est un hôpital. Bon, il y a un hôpital dans le terminal. Mais c'est déjà bien. C'est un peu de la chiasse. Après, peut-être quelqu'un qui veut des jumelles. Mais... Et regardez. Le gym Gigachad. Gigachad. Et ouais. Merde. Ah, il y a des petits sauts là quand même. Hein. Ah.
Comment ça va, poteau? Ah bonsoir, bonsoir mademoiselle. C'est où quelque chose sur la disparition? Il y a des gens très cruels qui appartiennent à une organisation criminelle dirigée par un homme asiatique. Tu sais, c'est quoi le nom de l'organisation? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que vous impliquiez trop, mademoiselle. Il y a des moments où même moi, je ne souhaiterais pas en savoir autant. S'il vous plaît, dites-le-moi. L'organisation n'a pas de nom. Mais si un jour vous entendez le nom Charge of the Joy, éloignez-vous de là. Ouais, c'est ça. Ça corrobore avec ce qu'on avait vu. Bon, en attendant, on va dropper nos objets. Au moins deux. Attends, je vais garder ma pince parce que je pense que ça fait. La pince, je vais la garder parce qu'on sait jamais. Alors, plaque d'eau, saleté, saleté. Let's go. Bonjour, patron. Ah, le balai, le balai. Ah putain, ça c'est de chaud ça. Je vais pas pouvoir y aller direct. J'optimise, regardez. Hop, j'optimise. Largué, hop. Parce que j'ai besoin de place pour ça, moi. Je suis concentré là, je suis concentré. Hop. Ça dégage. Est-ce qu'il y a des voleurs là? Non. Ah merde, y a un mec à la caisse. Hop là. C'est quoi le truc de nettoyage là? C'est des panneaux verts, ok. On gère, on gère. On gère les baskets. On gère. On gère, on gère. Tout va bien! C'est que des pétards, vous inquiétez pas. C'est encore le 14 juillet aujourd'hui. C'est fête nationale tous les jours. Chut. Et c'était. Hop là. C'est le même son que mon quartier. Ah, toi aussi, t'es dans le 9-3 comme moi? Le love? Il a pris un petit truc. Hein. La meuf. Une voleuse? Non, c'est pas une voleuse. Elle a un petit panier, c'est pas une voleuse. C'est dans le code des voleurs, tu prends pas de panier, apparemment, dans le jeu. Ah, c'est Daniel San. Excusez-moi. Vas-y, vous pouvez venir au parc après le travail, je vais vous dire quelque chose d'important. J'ai un doute, gagnant, j'ai un doute. Est-ce qu'on fait confiance à Daniel San? Le parc, il y aura du monde. On va pas se faire agresser dans le parc. Non. Je vous comprends. C'est déclissé et je ne prends rarement des paniers. Et je ne vole jamais. Ah, mais t'es un potentiel voleur. Si t'as un cava, c'est encore pire.
Il y a les super les super U là. Super U, Superette U et tout ça, hypermarché U, tout ça là. Et bah ils acceptent pas les cabas personnels. C'est vraiment des casse-couilles. Bon, du coup bah je fais pas mes courses chez eux quoi. Ils cassent les couilles quoi. Allez tu dégages toi, j'ai vu. Hop, tenez votre carte. Tu dégages! Essayer de voler des croquettes pour chat là. Je crois que j'ai pas vu. Ouais, je sais pas, j'ai pas envie d'aller voir Danielson au parc. Après, ça peut nous aider. Moi, je pense que c'est juste un bébête. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez vraiment que ça va être un piège? De toute façon, on peut toujours s'enfuir s'il nous parle de Sharkjoy. Il dit j'ai un ami Sharkjoy, je vais te le présenter. Charlie, pour les intimes. Ah, je pense qu'on peut prendre le risque. On a une pelle, on a des jumelles. Il veut nous vendre aux triades? Attention, comment ça, attention? Comment ça, attention? Comment ça, attention là-haut? Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Vas-y, une petite boisson énergisante. Non. Ah, mais du coup, on l'achète. Ah, mais attendez, peut-être qu'on l'achète et elle tombe par terre et je la ramasse jamais. Ah. Je viens de comprendre pourquoi je. Hop, un petit coca là. Par contre, ça a l'air dégueulasse. Ok, je viens de comprendre. En fait, je les ai achetés et ça marchait pas, mais c'est parce que je ramassais pas le truc. Fermer la supérette. Ok. Récupère nous aussi. Il est parti, non? Il est parti. Rester avec ma lampe torche comme ça. 50 balles, mon gars. Ça va, patron? Eh, Lorna, bon travail. Je suppose. Est-ce que c'est bon? Tu sais, il y a une chose que je ne t'ai pas dite. Fatima, la fille qui travaillait avant toi, à ton poste, enfin disons qu'elle a disparu. Fatima? J'ai dû tout garder secret. Pour ne pas lier le supermarché aux disparitions. Je ne voulais pas nuire à l'entreprise. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci de comprendre. Qu'il en soit, je ne peux m'empêcher de me sentir mal pour Fatima. J'espère qu'elle va bien. Je ne devrais pas toucher à ces choses. J'avoue que je sais pas. Qui est complice? Il est vrai bizarre. Hein. Hey, comment ça va? Tu veux cuire quelque chose? Que fais-tu ici? Je ne peux pas être ici, désolé. Si je t'ai effrayé, ce supermarché est une excellente source d'information. Que veux-tu dire? Je ne suis même pas sûr moi-même. Mais fais très attention, ce supermarché est vraiment étrange. Ouais, j'ai remarqué. Façon, premier truc qu'on voit de bizarre, on s'enfuit, hein, par rapport à Daniel. Attends, le parc est plutôt derrière, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Premier geste suspect. Je vais mettre ma lampe dans sa gueule. Il est où Danielson? Bah il est où ce con? Ah il y a là. Bon Daniel, il va falloir que tu me racontes tout là. Allez.
Déballe ce que tu sais. Ah, merci d'être venu. Plutôt au travail, il y avait une fille nommée Fatima. Elle était ma meilleure amie, elle a été kidnappée. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça, non? Je pense savoir où sont les criminels. Je pense savoir où Fatima pourrait être. Et ce soir, j'y vais. Je vais les affronter et sauver Fatima. Ah, c'est trop dangereux, tu ne peux pas faire ça. Je sais, je sais. Si j'y vais, je vais mourir. C'est juste que je veux que Fatima aille bien. Tu as raison, c'est fou, désolé. Ah, on lui a sauvé la vie en fait. Merci de m'avoir écouté, Lorena. Bah, vous voyez, il est gentil. Franchement, vous avez douté de lui? Comment je vais dire ça? Voilà! Alors, ça diminue le nombre de cartons, c'est ça? Même pas. Ouais, ça sert à rien de toucher au carton, c'est ça. Petite butte à gaz, hein? C'est bien d'avoir ses propres ustensiles. Ouais, tu m'étonnes. Bon, Daniel San, on peut l'éliminer de l'équation, logiquement. Après, il a pu nous mentir. Il avait l'air juste sincère. Il a l'air bébête, mais pas être un mytho. Le maire était impliqué dans beaucoup de merde. Il est lié au crime organisé dans ce quartier. Ah ouais. Ça pue. Est-ce qu'il s'appelle Charlie? C'est un classique, gagner la confiance de sa proie, j'avoue. Chaque jour qui passe, votre avenir devient de plus en plus sombre. Soyez très prudent, quelque chose de grave va vous arriver. Super, hein, bonne ambiance. Je me méfie toujours de la fourgonnette là. Eh, y a deux fourgonnettes maintenant. Ça commence à trou du cul cette histoire. Bonne chance pour le travail. Ça passe bien. À vous aussi. Excusez-moi, désolé de changer de sujet, mais. Êtes-vous ami avec le jeune blond qui vient parfois? Non, pas du tout. Permettez-moi de vous donner un conseil. Essayez de ne pas vous approcher trop de ce garçon. Vous dites ça? Je ne veux pas faire d'accusation infondée, mais il n'est pas une bonne personne. Il a le savoir, rester loin de lui. Aïe aïe aïe. Bon, après, on a fait une save donc. Ah, patron. Pas lui parler. Mais on peut fouiller son bureau, non? Qui est pas là, là? Fouille, 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 l'ordi là. Y a de nombreux livres sur l'administration. Jolie peinture. Voilà, on peut pas trop. J'ai l'impression qu'il y a rien de. Il a pu avoir un truc caché hein, dans son bureau. Eh, par contre, là, le jeu il commence à déconner en plein tube. Ok. Alors. Produit en train de s'épuiser, saleté. Manque d'affichage promotionnel. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, toutes les fiches qu'on met, c'est les mêmes. Ah non, pas celle-là. J'ai rien dit. Parce que les premières, c'était le même prix. Ah, hé Lorena. As-tu parlé à un homme asiatique qui prétend être journaliste? Oui, pourquoi? Cet homme n'est pas un journaliste ou quoi que ce soit. Il harcèle l'entreprise et il suspecte, éloigne-toi de lui. Pas journaliste? Non.
Tous les correspondants étrangers doivent être approuvés par le ministère de la Communication. Il n'y a pas cette approbation. Cet homme n'est pas journaliste, c'est étrange. Donc c'est le mec qu'on a vu en manteau? J'ai un doute. Hein. Je sais pas. Tu as les mains pleines, ouais, c'est pas ça. Non. Personne à la caisse. Ah merde, il arrive, mec. Est-ce que je vais avoir le temps de remplir là? Non, je vais pas avoir le temps de remplir. Je sais même pas où c'est là. Laisse la caisse là. Attends, y a un papier là. What the fuck? Et le jeu il est en train de péter un câble. Ça bug de partout. Je crois que c'est à cause du papier sur la table là. La merde. C'est la capture qui déconne ou. Ça devient infernal là. Je pense que c'est le papier. Ah, Lorraine, c'est moi Daniel. Je voulais te remercier de m'avoir écouté hier. J'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un quand j'étais sur le point de faire une bêtise. Mais lorsque je revoyais mon enquête, j'ai remarqué qu'il y a un bâtiment abandonné qui est très suspect. C'est la copropriété abandonnée en face du parc. J'ai parlé à une amie qui a des contacts et à la mairie, elle va me donner les clés. Je ferai savoir quoi que ce soit. Je pense qu'on va y aller avec Daniel. Finalement. Je sais pas. J'ai un truc. J'ai un feeling. Parce que là, le sans-abri qui m'a dit attention devant, c'est un connard. Ah, j'y crois quand même. Si Daniel Sun nous a niqué, il est trop fort. Comme ça. Ah, c'est un voleur. Casse les couilles les voleurs là. Hein. Ils sont trop rapides ces enfoirés. C'est des ninjas. Ah, faut les mettre où les produits là? Normalement, ça se vend, non? Ah, c'est là? Bon, attendez, c'est par là. Je vais laisser. Non, c'est de l'autre côté, je pense. C'est infernal. Et les mecs, ils vont me parler. Ah, bah, c'est l'autre bon. Je vais lui dire qu'il va se faire. Chez les Grecs, là. Du nouveau Edamine. On va voir comment il réagit si je dis non. C'est vrai qu'il nous a donné rendez-vous à la boîte de nuit. Hein. Je pense que ça. Avec les infos qu'on a là. Ça pue. Eh mon amour, comment ça se passe le travail? Es-tu prêt pour libérer le terminal? Que dire? Concernant notre plan d'aller là où les filles sont kidnappées. Enfin, moi, quand tu sais tout est prêt. Putain. Il y a un voleur, je l'ai vu là. Tiens, putain. Aujourd'hui, on va pas être l'employé du jour. Hein. C'est où? C'est là? Il faut le voir, hein, qu'il manque des produits. Hein. Putain, j'ai. On prendra le balai après lui. Hein. Ah non, il y a encore l'autre là qui va venir me harceler là. Regardez, il y a la harceleuse là. Je regarde pas. Si je te regarde pas, t'existes pas. Non. Non, madame. C'est pas droit. Ah, la saloperie là. Elle va pas me poursuivre jusque dans. Derrière. C'est bon? Non, elle est là. Oh, la roue.
Je balaie. Je vous vois pas. Je vous vois pas. Tout est de ta faute. Espèce d'empêche stupide, tu me gâches la vie. Sortez d'ici. C'est de ta faute, j'ai été humilié par toi. J'ai été humilié par Enrique. J'ai été humilié par la police. J'ai envie de l'insulter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un garçon, ne pense pas que ça va rester comme ça. Je vais me manger, je te ferai regretter d'avoir joué de moi. Déjà, je suis pas un garçon. Donc, Ah, cette dame, elle est folle. Bah, tu m'étonnes qu'elle est folle. Elle a un souci. C'est bon, on a fait toutes les tâches. Je vais rebrancher pour voir parce que je sais pas si c'est le jeu qui déconne ou. Je pense que c'est ma capture. Attends, que faites-vous ce soir? Ah non. Quel temps fait-il ce soir? N'est-ce pas? J'ai pas compris la question. Il y avait une question dans votre phrase? C'est moi au champ. Vous savez où je peux trouver le pesto et les haricots? Je vois pas la lessive, c'est qu'elle arrive. Ouais. Et c'est shit. Bah en vrai, ça dépend parce qu'en fait, dans les magasins, vous savez, surtout les hypermarchés, parce que les supérettes peuvent moins se le permettre de faire ça, ils changent les rayons d'emplacement. Tu sais, tous les. Je sais pas, tous les. 2-3 mois? Tous les 6 mois, parce qu'en fait il faut pas habituer la personne à aller chercher son produit au même endroit, parce que s'il s'habitue trop, en fait il va acheter que ce dont il a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas passer sur tous les autres rayons avant d'y arriver. Du coup c'est pas bon pour le business, ce qui est assez logique finalement quand tu réfléchis. Qui va se prendre un coup de pelle? Faites pas les ouf. Ce qui est moins faisable dans une supérette, parce que tu peux pas. C'est un peu plus compliqué, quoi. Il y a moins de rayons, quoi. Y a quelqu'un qui chip derrière moi. J'ai peur. Enrique, il m'a dit de me méfier de lui, c'est ça? De toute façon, on va rentrer chez nous direct, là. Lui parle pas. Je l'ignore. C'était lui, là. Dans le fond du Michigan? C'est un peu ça, Marmu. C'est le Michigan du Brésil. Comme Michigan reporte Rommel, mais au Brésil. Attends, c'est un. 82 balles, ouais, je sais pas si. J'ai ma pince! Je vais pouvoir réparer mon lit. Ça peut être quoi en fait le jeu par rapport au nombre de jours avant qu'il se. Excellent Gaudriel, pas trop mal. Ouais. Je suis médium. Quelque chose de très grave peut vous arriver aujourd'hui ou demain. Une très mauvaise personne vous traque. Soyez très prudent. Yes! J'espère que ça vous met du baume au cœur là, la petite menace du médium. Bon déjà il y a les poubelles là je vois.
poubelle, flaque d'eau, saleté. Ok. Pas trop bien. On regarde le foot. C'est le même match que la dernière fois, non? Foot? J'ai vu là. Non, là, sur l'épaule. Je regarde le match tous les jours et alors? Il y a peut-être qu'il est obsédé par ce match. Qu'il a perdu. C'est le match où il a perdu un pari. Et ça a changé sa vie. Et du coup, il est devenu manager. Dans ce qu'on a perdu des enfers là. C'est pas, hein? Quand il faudrait dire qu'est-ce qu'elle la folle dingue là qui est revenue m'insulter là. Il m'a dit que je vais te tuer. Tout va bien quoi. Bonjour à vous, un homme asiatique par ici. Il dit être journaliste. Bah si, on l'a vu. Non, pourquoi vous le cherchez? Je comprends, nous avons entendu dire qu'il fréquente supermarché. Donc si vous le voyez, faites-nous signe. Vous allez l'arrêter? Nous devons lui poser quelques questions. Rien de méchant. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est un jeu où vous se méfiez des Asiatiques apparemment. Plus que de normal. C'est bien. C'est pas bien, bah écoute, si tu le dis. Tu le dis, Germaine. Ah, il pouvait, j'oublie. Ah, merde. Attendez, j'arrive tout de suite. Vite. Les poubelles. Non, mais je vais juste ouvrir. Putain, on peut pas ouvrir avec les. Avec les poubelles en moins, on peut pas ouvrir. Si, là, je suis là. Timer, timer, hop. J'ai raté l'offre l'autre jour. Ah bah. Il fallait être là. Ça fera 1000 balles. Attendez, il y a des Nelson. Attendez, je revérifie ma capture parce que j'ai l'impression que ça déconne quand même. Je sais pas si c'est le jeu ou ma capture qui déconne. J'ai l'impression que c'est le jeu. Mais au cas où, je désactive ça, je vous réactive ça, attendez une seconde. La chance pourtant, elle a l'air d'être bonne, ma capture. On est bon, ouais. Monsieur Daniel San. Salut Lorraine, as-tu lu ma lettre hier? J'ai la clé. Je t'attends à l'arrêt de bus. Je pense qu'on va aider Danielson. Pas de voleur aujourd'hui. Étrange.
C'est quand même un jeu qui ménage bien son suspense quand même. Envie de t'en aller à la fête foraine, de récupérer un ballon dans une église abandonnée. Il est temps de faire des trucs hein, quand même, hein, entre-temps. Je vous surveille, hein. Attention, hein. Les jumelles là. Je récupère ma pince. Hein. Le coca. La bouffe pour le chien. Ah, vous allez faire une bête de soirée là. Les triplettes! C'est les triplettes, regardez! Attention, je vous surveille, hein. Il y a deux cachettes, il y en a une qui triche, il y en a une qui vole. Oh putain de merde, il y a deux... il y a l'autre connard là qui arrive. Il faut que je refuse, faut que je l'ignore. Attendez, il y a une voleuse, il y a une voleuse. Il y a une voleuse! Il y a une voleuse! Ah, les deux vont être à... Toi, je t'ai vu! Vous avez dit, il a dit future maman de mes enfants. Ah, le mec est quand même chelou. Hein. Je suis désolé, hein, mais le mec est chelou. Le renifleur de culotte là, j'ai pas le suivant. Hein. Ils attendent tous à l'arrêt de bus. Hein. Je pense que c'est la finalité, attention. Hop là. Ah, le jeu il part en couille, hein, je crois. Dire techniquement parlant. À part l'histoire. Allez, allez! On choisit ses sandales et on se casse. Ouais, j'ai un complot de Chinois à démonter. Peut-être appeler la police quand même, non? Je sais pas. J'essaie d'appeler la police quand même avant. Pour voir. Parce que là, on y va quand même à l'arrache. Hein. Là, tu as volé, je t'ai vu. T'as pris la position du voleur. Avec les bras recroquevillés, là. En mode, je vais faire une mauvaise action. Je t'ai vu. Hop. Je pense qu'on s'approche de la fin, attention. Le dénouement. Bon. On va aller reparler au patron avant de partir. Mon travail. J'espère que tout se passe bien aujourd'hui. Bah j'espère que oui. Au fait, je pense te devoir des excuses depuis que tu es arrivé ici. Tu as eu beaucoup de choses. Ça a dû être une aventure pour toi, non? Ah oui, j'en ai eu beaucoup, oui. Certainement. D'ailleurs, il me semble que la police cherche enfin ce détestable journaliste asiatique. Il est temps. Ouais, je me dis que lui, il est quand même complice. Tiens, hop, j'éteins la télé. Voilà. Je peux plus éteindre. On va ramasser nos outils. Les jumelles, par contre, j'ai pas compris à quoi ça servait. C'est peut-être nous servir en fait en mode genre. Hop. On les voit arriver avant là. Au bout de la rue là, dans le noir. Éteint. On rentre chez soi. Attention, j'ai une pelle. Et une pince. C'est pas ouf. Je sais pas si c'est dissuasif la lampe torche en fait en vrai. Je suis pas sûr. Mais comment au niveau énergie ça va aller? Attendez, je me prends une petite boisson énergisante là. Hein, et je sais. Attends, ah non, pas maintenant. Voilà. Il y a un petit éclair là. Si jamais il faut courir, on va courir.
Alors, what? Vas-y. Il est vraiment bourré là? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Vous n'avez pas appelé la police ou quelque chose comme ça? Bah ouais, elle me fait par terre. Non, ce n'est pas notre problème. Nous ne devons pas nous impliquer. Bah super. Cette femme criait, puis elle a commencé à pleurer, puis elle s'est endormie dans la rue. Ok. Ah, le déchet humain. Ouais. Elle veut pas appeler la police, c'est ça? Le mec, il est en face. Bon, alors attention. Mais elle est au moins en PLS. Ça... On va aller avec Daniel San. J'ai les clés. On n'a qu'un problème à y aller maintenant. Et on y va. La police n'est pas au courant. C'est chaud. La copropriétaire a abandonné en face du parc et le bâtiment le plus suspect. Pourquoi est suspect? On entend souvent des bruits de coups et des cris là-bas. C'est un point de rencontre où des gens étranges et la police évite toujours le sujet. Comment as-tu découvert tout ça? Regardez, c'est un fan d'animé, ça peut pas être un méchant, regardez, c'est un gros geekos. J'ai découvert cela en enquêtant sur l'endroit où Fatima pourrait être. Malheureusement, je ne sais rien d'autre. Si tu y vas, fais attention. Et si on y est tous les deux? Eh bien, le truc, c'est que j'ai quelque chose de très important à faire aujourd'hui. Mais je pourrais y aller un autre jour. Enfin, pas aujourd'hui. Dis donc qu'on aime bien les petites waifus. Les petites waifus, les nerds, c'est les pires. Ça te dérange si je regarde ton historique internet? Regardez, il est impossible de me moquer, ça peut pas être une mauvaise personne. Oh, bonjour madame. Ah, c'est la femme qui avait besoin de fric. Eh, mais si c'est pas mon ami, comment vas-tu? Qu'est-ce que vous planifiez? Je vais à l'IBEB l'abandonner. Vraiment? Elle t'a donné les clés? Ma sœur m'a aidé à les obtenir, elle travaille à la mairie. Ah. Ouais, je vais juste un coup d'œil. Je vois. Si tu vois quelque chose de dangereux, sors de là. Je passerai la nuit ici. Daniel m'a payé pour faire du cosplay. Bien que je ne sache pas ce que c'est. Est-ce qu'elle a besoin de trucs, donc elle accepte n'importe où et n'importe quoi. Eh bah bon cosplay. Voilà. Alors s'il te dit on va faire du Bible Black, méfie-toi quand même. Hein. Donc on a des clés. Donc je suppose un objet clé. Enfin, j'ai pas besoin de. Fais attention. Ok. Ah du coup il m'accompagne pas, c'est chaud. Ouais, on prend des risques de ouf. Hein. Du coup le type là. Ok. Donc il m'a dit en face du parc. C'est un bâtiment suspect en face du parc. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est trop bien! Oh putain, par contre, son bras, lui, là, il est. Il a un problème, là! Je crois qu'on lui. Je crois qu'il s'est fait piquer au bras. Putain, mais je vais danser avec vous! C'est trop bien! Attendez. Mais c'est juste les what the fuck, quoi! Ah, c'est la soirée Zimba! Zumba! La soirée Zumba! C'est trop bien! Tout, 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 tout. Un événement de danse. Ah, du coup, il y a des événements chaque soir, il se passe des trucs. J'ai dû rater plein de choses en fait. Bon, ouais. Alors, si tu veux la police, est-ce qu'ils vont m'aider? Ils sont pas les autres flics. C'est à qui on pouvait parler là. Attendez notre appel. Ah, s'ils sont là. Pensez-vous qu'être policier se résumerait à de l'action et des fusillades? Eh bien non. Nous devons faire des tâches administratives. Vous n'avez pas de cas à enquêter? Nous enquêtons sur les cas en attente pendant la journée. La nuit, nous gérons les tâches administratives. En fait, vous dormez pas, quoi. Et sur quel cas enquêtez-vous en ce moment? Nous avons actuellement de nombreux cas en attente. Je suis policier depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu autant de cas s'accumuler. On se fera pas plus. Est-ce que les filles qui sont pas loin, mais si je rentre dans le bâtiment et que je me fais avoir là, on est dans la sauce. Attention. Ils ont dit en face du parc.
Le parc est juste derrière là. Donc ce serait ce bâtiment-là. Ça pue un peu quand même. Hein. Je sais même pas comment on monte. Il y a vraiment une porte là parce que... Ah. Attention. D'accord, faisons ça rapidement. Il va y avoir beaucoup de bureaux devant. Non mais là ça devient un film d'horreur. Putain, l'endroit des enfers quoi. Pour réunir des preuves, c'est ça? Sans se faire choper. Le client a été satisfait de cette expédition que nous avons envoyée il y a quelques semaines. Si tout se passe bien, ça nous ouvrira la voie de nouveaux marchés. Cependant, il y a aussi de mauvaises nouvelles. En bref, nous ne pourrons plus envoyer de livraison à Hong Kong pendant un certain temps. Ces communistes du continent ont découvert notre entreprise et l'ont fait tomber. Sur les cyniques, cela signifie que ça se passera également du temps sans visiter mon pays natal. Cependant, envoyer cette cargaison en Argentine était une décision risquée, mais elle s'est bien déroulée. Ceci aussi contient des informations très précieuses. J'entendais aussi! Merde, ah putain. Il avait l'impair du chinois là. Aïe aïe aïe. Ah non! Lorena, idiote! Puis-je savoir ce que tu fais ici? Le manager! C'est vous le kidnappeur! Désolé, je me suis perdu! Faut attendre ton moment. Qu'as-tu lu? Qu'as-tu vu? Dis-moi tout. Je n'ai rien lu, je le jure. Quoi qu'il en soit, puisque tu t'es arrivé jusqu'ici, félicitations, tu gagnes une promotion. Tu vas en Corée du Sud. Tu auras un salaire, le gîte et le couvert gratuit. Merde, je vais nulle part! Arrête d'agir comme une garce et comportez-vous bien. C'est pas un rêve de gamin, hein, comme si vous partiez à un voyage, gagnez beaucoup d'argent. Ah, ça c'est un bad ending, ça. Ouais, oh, putain, c'est pas fini, c'est pas fini. On va essayer de s'enfuir. J'ai tout le matos pour m'enfuir. J'ai la pince. Évasion du condo. Ah! En ce moment, vous êtes dans le condo où se trouvent toutes les personnes kidnappées. Pour échapper, vous devez faire très attention à explorer et collecter les objets qui vous aident pour vous échapper et des ennemis. Bien sûr, vous devrez faire attention. Vous n'êtes pas seul dans la copropriété. Ok. Ce jeu sera sauvegardé. Ah, ok, d'accord. Donc, on est dans la phase 2. La phase 2 du jeu où il faut s'enfuir. Attends, il faut que je note. Un truc bon, par contre s'ils m'ont enfermé avec le code c'est un peu débile. C'est un 7 là le premier, je pense que c'est un 7. 746 38 je dirais. J'aurais pas cru que ce jeu serait aussi intéressant en fait. Ça serait autant de trucs. Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans et je viens d'Argentine. Il y a une semaine, je suis arrivé au terminal 81 du port de Santos. Je me suis pas censé rester longtemps ici, mais à la fin, la curiosité m'a emporté et j'ai décidé de rester quelques jours pour visiter et faire du tourisme. La plus grosse erreur de ma vie. Ah, c'est pas la sœur de l'autre qui a disparu. Une nuit, je suis resté éveillé très tard, j'avais très faim, mais j'ai rapidement décidé d'aller au supermarché pour acheter quelque chose. Il n'y avait personne là-bas. J'étais complètement vide, j'ai essayé d'appeler un employé. Personne n'est sorti. Alors je suis entré dans la chambre des employés. Enfin, ma pièce, et je suis sorti du supermarché par la porte arrière, et là j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'est un homme avec un masque en métal. Il m'a immédiatement jeté à terre et a commencé à m'étrangler. Puis je me suis réveillé dans cette cellule. L'homme au masque de métal est venu plus tard avec d'autres hommes et m'a dit qu'il m'enverrait en Corée du Sud. Dans la cellule voisine, il y avait une fille qui s'appelait Fatima, mais ils l'ont emmenée, et je ne sais pas où. Maintenant, je suis complètement seul. Dieu, s'il te plaît, protège mon âme. Ça pue. Est-ce que je peux... Ah. Ah, ça a l'air suspect, ça.
Alors, on va laisser jumelles, hein, je pense que ça va rien. La Rochelle, non? Pas taper dedans, non? J'ai un rocher. Ah bah c'est fait avoir. C'est vous! Aidez-moi s'il vous plaît! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Félicitations, vous avez été kidnappé. Kidnappé? Mais c'est pas possible! Je ne veux pas mourir ici. Aidez-moi s'il vous plaît. La salle brune ne se souvient pas de vous. Je vais essayer d'obtenir les clés. Ah, s'il vous plaît, essayez-le. Je vous serai éternellement reconnaissante. Je sens qu'elle va nous trahir quand même, cette salope. J'ai aucune confiance en elle. Oh putain, excuse-moi. Ça pue sa mère quand même, hein. Passons par l'émotion. Ça pue du trou du cul. Ah mais c'est la même lettre. Hong Kong Letters. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai vécu mon enfance à Kowloon. Je n'ai jamais rencontré mon père, ma mère était accro à l'opium. Heureusement, il y avait un homme qui s'appelait Cheng, qui m'a beaucoup aidé. C'était un super gars. C'était mon héros. Il m'a lancé dans l'entreprise, il m'a appris à me défendre, à gagner de l'argent sans lui. J'étais un problème, pas survécu. Bien sûr que nous ne l'est plus, et Cheng n'est plus avec nous. Mais je chéris ses souvenirs comme vous n'en avez aucune idée. C'est notre ami Charles? Il y a l'appel. Hein. On va avoir besoin sur. Merde. Je me suis repéré. Mais on peut se baisser au moins dans le jeu parce que j'ai pas un peu. Je peux sauter, mais je peux pas me baisser. Je sais pas si je peux les agresser avec un rocher, si je passe dans leur dos. Ah merde. Un truc. La pierre, ça va pas suffire. Et vous réussissez à obtenir plus d'informations sur ce journaliste coréen qui traîne au terminal 80. Gardez un œil sur cet homme. Si pour une raison quelconque, le gouvernement coréen ou les médias nous ont identifié, notre entreprise dans ce pays est en danger. Merde, 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 attends, j'ai perdu ma lampe torche. Pourquoi? Il m'a volé ma lampe torche. Ou du diesel? De l'essence ou du diesel? Comment ça, du diesel? Diesel, c'est pas. Ouais, c'est infernal, c'est tombant quand même. Elle revient ou pas? Je pense qu'elle fait ça parce qu'on n'est pas loin, mais.
C'est moi qui ai fait du bruit, on est d'accord, hein? Je sais pas comment j'ai fait du bruit. J'ai lancé une clé. Je vais vous de la copropriété. Ouais. Lancer une clé, je sais pas à quoi ça. Je veux que tu gardes ce gamin blond sous contrôle. Il fait trop de bruit dans le quartier. Ce n'est pas un jeu. Il veut vraiment ruiner nos affaires. Les permissions de prendre toutes les mesures que vous jugez nécessaires, faites-le simplement taire. Ah putain. Ah, le blond, je pense qu'il s'est fait buter. Hein. Trop tard. Ah, dès que je marche là-dessus, c'est dead. Hein. Essayer de passer par là. Ah, faut pas que je marche sur les plaques en métal, là. Je pense. J'ai pas le choix là. Est-ce que c'est ça pour l'idée? Tu as reçu quelque chose? Ah merde, c'est pas pour ça. Peut-être pour la cuisine. Ah, ce serait bien que c'est qu'il y ait une sauvegarde à checkpoint parce que là ça va être l'enfer si je dois tout recommencer à chaque fois. Ni ou non. Ah mais c'est casse-couille ici là. Ça fait du bruit là quand on marche dessus non. En plus c'est aléatoire ce bruit non. Je sais pas si c'est un bruit pour se faire stresser ou si ça marche vraiment non. Merde, c'est un cul-de-sac. Bon pas. Derrière la table. Suis sorti de son champ d'action là. J'ai sauté au-dessus de la table. Bon bah finalement le sou c'est pas mal. Ça peut servir. C'est ça? Un pied de checkpoint souvent. Waouh le son que ça fait. Ça a pris. Enrique, comment sont les plages de Fortaleza et les femmes? Vous n'êtes pas à Fortaleza? Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? Je pensais t'avoir demandé de te débarrasser de cette fichue prostituée du quartier. Et elle est toujours là. Putain d'idiot. Comme le gros gars du supermarché. Cette prostituée connaît nos affaires, des brassos d'elle. Ouais, ça pue, 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 ça pue. Je fais un chariot élévateur ici, j'avoue. J'avoue, c'est un peu chaud. Attends, mais je tourne en rond là en fait, non? Je suis où, non? Il est où? Merde! Merde! Non, 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 non! Si je fais un vieux coup, putain! Faudrait caboche, là. Ça pue. Le jeu il est approximatif, c'est chaud. Peut-être que je mette de l'essence dans le fenouil. Elle m'a fait une remarque sur le fenouil. Là, ça c'est un bon coin pour se cacher là. Putain, je regrette d'avoir pris la canette tout à l'heure parce que. À mon avis, je me fais choper une deuxième fois, je suis mort. Vu mon écran là. Il est où? On voit pas. Je sais pas où est la lampe torche. Hein. Elle est tombée à un moment donné quand j'ai couru la première fois. Ou je l'ai fait tomber par là. Il est où là? Mais je le vois pas, sacré. Est-ce que je peux bouger, je peux une week avec ça là?
a probablement été la pire année de ma vie. C'est lorsque les conservateurs britanniques ont remis à nos précieuses terres aux communistes. Ah oui, c'est Hong Kong. Vous ne savez pas à quel point je les méprise. Peu de temps après, nous avons commencé à planifier le départ. Au début, nous avons pensé aux États-Unis. Mais dans ce pays, il y a une grande concurrence. C'est un casse-tête. Mais bien sûr, à la fin, nous avons choisi ce pays. Ce pays est parfait pour les affaires. Et cette époque, encore plus. Entre Cardozo et Lula, il y avait beaucoup d'instabilité sociale. Le scénario était parfait. Mais je suppose que vous devriez déjà le savoir. Non? Alright. Des clairouillés maintenant. Ah, pour les cellules. Mais il manque une pièce du mécanisme. C'est-à-dire. Attends, là j'ai fait du bruit, je vais me faire fumer. Hein. Ah, les endroits qui se ressemblent, c'est infernal. Genre les chiottes et tout ça, ils se ressemblent. Attendez. YoTH. Bah là, c'est la fin du jeu, donc je suis vers la fin du jeu. Enfin, je pense que je suis vers la fin du jeu. Un pied de biche. Ah merde, putain. Je retourne là, il y a les planches. Merde, je suis dans le. Ah, il est où ce con là? Je le vois pas alors. Je crois que c'était au milieu les planches. Merde, c'est un cul-de-sac ici, putain. Ah! Est-ce que ça me soigne? Pas du tout. J'essaie de passer par là. J'espère que c'est bon. Et là. Merde, putain, je peux pas passer. Le plafond. Allez, passe là-dedans. Pas dans le frigo. Ah putain, ça. Ok. Je suis à deux doigts de finir. Ah non, 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 il revient. Tant que je suis dans le coin, normalement, il devrait pas me repérer. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Va marcher sur les. Allez! Sur les planches et les conneries là, parce qu'il a fait du bruit. Déjà. Vous libérez l'autre Gouniafier là. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Je vous oublierai jamais, merci. Donc ça, c'est fait. Bon, maintenant. Je crois que c'était à côté, là, c'est là-bas. Ouais, c'est ça. Casser la table. Non, c'est des planches. C'est pas casser la table. La valve? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Encore des conneries? Tout à l'heure, j'ai vu la photo de cette fille, Lorena. Elle est sans aucun doute l'une des meilleures que nous ayons eues jusqu'à présent. Elle a un visage doux et un corps spectaculaire. Nous allons essayer d'en demander un peu plus pour elle.
Mais j'aimerais bien la rencontrer avant de l'envoyer en Asie. Le petit bâtard là. J'ai perdu ma pince. Comment ça, il y a un. Je vais remettre une connerie là. Faut que j'aille à droite là. Il est là ou il est pas là? Parce que ce petit bâtard est dans le couloir. Il y avait un passage par là? Ah si, sur le côté là-bas. Ok, donc ça c'est le cul-de-sac. Ok. Si je longe par là, je devrais y arriver. Merde. Bon, ça, ok, ça sert à rien, à part se cacher dans les endroits. Alors, attends. Il y a un truc par ici, non? C'est ça? Ah, putain. J'ai pissé, hein. Je sais même pas comment elle est sortie, l'autre, là. Ah, il y a un étage? Mais non. Il y a un étage? Oh, je suis sorti. Incroyable. Je me suis enfui. Je suis marin pêcheur. Un jour, j'ai fait le tour du monde en solitaire, mais j'ai prévenu personne. Karim, ma femme avait divorcé. C'est le GG! The good ending! La bonne fin. Après une semaine de travail au supermarché Terminal 80, Lorena, ah, sa tête, Alves, s'est rendue au commissariat pour signaler une tentative d'enlèvement et de traite des êtres humains, emportant avec elle une importante collection de preuves. La quantité de preuves que Lorena a ramenées était si importante que les réformes ont été menées au sein de la police du 81 et un gigantesque raid a été effectué qui aboutit à l'arrestation de 31 personnes, dont Matteo Rossi, une jeune collaborateur du crime organisé et Enrique Diaz. Cette affaire est connue sous le nom de l'incident de la fille au supermarché. Bah yes! 199 minutes, 500 balles. Merci d'avoir joué. Putain, des bugs de son. J'ai bien traité le SDF, vas-y. Je suis une bonne personne. La good ending. Eh bah c'était pas mal ce petit jeu. Franchement. C'était cool.